Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom? Moi, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, vous venez d'où? Du Mans. Oh. Ah, bah dis donc. Ah, bah, voilà. Non, pas du tout. Ah, j'habite pardon. Le Mans. Ah, oula. Précision. Je suis né à Granville. Oh, oh Normand. Mais non, j'ai passé toute mon enfance à Millau dans l'Aveyron. Ah, d'accord. Il ah. y a ce petit point d'accent aveyronnais. Voilà. Bon, et vraisemblablement, vous nous apportez quelque chose qu'on connaît. Très bien. Vous amenez un blême. Il vient d'où? Alors, ce petit vase blanc, il a toute une histoire. C'est ma grand-mère qui l'a offert à ma maman, fin 70, début 80. Elle l'a acheté dans le Midi et je l'ai retrouvé dans la cave, dans un placard. Et même pas cassé. Même pas cassé. Je pense que c'est mon papa qui l'a mis là. Parce qu'il ne l'aimait pas. Parce qu'il ne l'aimait pas, il appelait ça des mérins. Des mérins. Ça veut dire quoi? Alors, à Granville, un mérin, c'est un objet de... Oui, de basse qualité. De basse qualité, quoi. D'accord, un mérin. Et moi, bidouille. Quand je l'ai vu, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, mais c'est un blin, c'est un Jacques Blin. Et est-ce que vous avez su ça grâce à notre émission, que c'était oui, un blin? Oui, parce que ça ouais, fait des années que je regarde votre émission, parce que ça fait un moment que je suis à la retraite. Oui. Et je regarde cette émission ah, depuis génial. Des années, voilà. Apporte-le nous, comme ça, on le... Alors, il est mignon, il est chopiné, ce petit... Il est chopiné, c'est oh, exactement ce petit, le mot. Ce petit... C'est vrai qu'il est très, il est très mignon. Ouais, il est joli, hein. Il est pas comme d'habitude. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais. Il a un décor oui, simplifié. C'est un taureau qui ressemble un peu à un taureau camargué. Oui. C'est rigolo. Est-ce que c'est le genre de caisse que vous achetez, Léo et Baptiste? C'est pas spécialement c'est le cas. C'est pas spécialement ouais. le cas, non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et celui-ci est... Il est particulièrement chouette. Le décor est génial. Puis tu vois, ce que j'aime, c'est qu'il est plus dans les tons gris. Souvent, ils sont un peu plus verts. Vert ou bleu, ouais. Et je trouve que la forme est vraiment chouette. Bon, c'est rigolo. C'est un petit modèle, mais c'est mignon. On va commencer à 40 euros. Et en fait, pourquoi est-ce que vous... Attendez, juste avant qu'on commence les enchères, pourquoi est-ce que vous achetez tous les deux ensemble, en fait? Enfin, je veux dire, vous auriez pu venir juste à un. C'est vrai. On est associés, déjà. On travaille ensemble. On travaille ensemble. On fait tout ensemble. On et achète tous les tout. Achats, vous les faites ensemble? Tous. Ouais. Mais depuis quand? Depuis qu'on a commencé. Depuis presque 5 ans. Wow. Et déjà, on chinait ensemble, mais déjà tout petit. D'accord. Tout petit, on allait faire les brocantes. Les boucaniers. Et vous êtes généralement toujours d'accord, à quelque chose près? Non. Ah. Pas toujours, mais on se complète pas mal. D'accord. Bon, allez, on poursuit. Alors, on démarre. On est à 40 euros chez moi. Allez, 50. 60. 80. 100. 100. On est 120. D'accord. Ouais. 150. 180. 190. 200. 20. 200. On n'est pas d'accord. 220. 230. 240. Michel, non? 250. 260. 270. C'est le taureau qui est extra. Mmh. Mais même la forme. Mmh. 280. 300. 310. J'arrive plus à en placer une, incroyable. Non mais c'est... Dis donc qu'il lui connaît ce qui m'arrive. C'est la jeunesse. Ah bah oui. C'est la force d'être deux, surtout. Ouais, mais attendez. Mais c'est bien pour le vendeur. Et puis, il n'a aucun défaut, mon vase. Hein. Il n'a pas d'égrinure, il n'a rien. Hein. Il n'est pas esquinté. Hein. Comme c'est vous. Vrai, c'est vrai. Oh si, moi, si, moi, je suis esquinté. Ah. 320. C'est bien. Bien. 330. C'est bien mieux. Aussi. Qu'est-ce qu'on fait? 50. Léo me dit 350 dans l'oreillette. Dans l'oreillette. Pour mettre des rillettes, vous avez dit? Pour mettre des rillettes? Bah oui. On voit que vous venez du Mans, vous. Est-ce qu'on peut commencer à envisager une affaire conclue? Oh, sans problème. Hein. Approchez-vous, si vous voulez. C'est avec ça du plateau de Millau. 360. Oh là là. Tu voyais venir, hein. 360, quand même. J'y ai jamais cru. En fait, je suis comme vous, je suis assez fan du taureau. Le taureau, il est magnifique, ce taureau. Je suis très Picasso, le taureau. Eh bien, pour la peine, je vais vous le départager, tous les trois. Et je vais dire 380. Voilà. J'approche. Approchez donc, cher ami. Voilà, tranquillement. Allez, venez. 390. Avec le swing. Regarde un peu ce et swing. On voit qu'il connaît bien notre émission. Hein. Et Léo, j'adore. On va arrondir, on va faire un contre-rond. On aime bien les contre-ronds avec Léo. Moi, 400. Oh non. Elle a arrondi sur elle-même. Bravo. Bravo, Marie. Elle le mérite, hein, vous savez. Elle le mérite, oui. Battez-vous un peu. C'est fort, c'est fort. Battez-vous un peu. Un petit peu de classe. 410. Vous savez quoi? Je vous le laisse. Mais 400, j'avais envie de le mettre. Bah ouais. Allez, 410 chez les garçons. Oh, je vais faire plaisir à Marie. Oh, c'est bien. Non, à alors ça, c'est la classe. J'adore. Bravo. J'adore, bravo.
Hey, bonne soirée à tous. Bravo. Gentleman qui swing bravo. Comme ça. Bravo, la sachez. Classe, la classe. Bravo. Rentrez bien. Ah oui, sachez que ça nous arrive de temps en temps. Ah mais bon, ah oui, ça arrive de temps en temps. Regarde la tête qu'ils ont fait. Bah moi je m'en vais. Bonne journée. J'étais content de me vendre à Marie parce que Marie fait partie de mes petits chouchous que je regarde souvent. Bah, mille merci d'avoir choisi parce que pour le coup c'est vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi mais vous m'avez choisi aussi parce que vous m'avez fait une belle proposition. Ouais. J'étais très touchée. Mais je veux bien faire une photo de vous. Eh bien on y va. On y va. Allez, d'accord.